Nous avons longtemps rêvé de visiter la Camargue, d'admirer ses longues étendues humides où galopent les chevaux blancs et tournoient les flamants roses. C'est donc dans cette île formée par les bras du Rhum, un coin atypique où la nature règne dans toute sa splendeur, que nous avons décidé de prendre quelques jours de vacances. C'est donc plein d'envie que nous sommes arrivés au camping des Bois Flottés, un camping qui sera un havre de paix durant quelques jours. Regarde, hein. C'est intéressant. Préparatif avant le départ. Un coup de pompe pour les moustiques. Envoyez une moustique, hein, mon chéri. T'es attaqué par les moustiques, mon chéri. Le lendemain, c'est parti pour la promesse du séjour. Tout faire en vélo. C'est donc à travers ces longues étendues de marais salants que nous sommes partis. Nous avions la furieuse envie de voir des grandes parcelles blanches formé par le sel et le rose des marées en eau. Les oiseaux ont bien sûr été pour nous un moteur puissant dans notre envie de découvrir le territoire. Avec ses nombreuses zones humides, la Camargue est un spot particulièrement prisé de nombreuses espèces. La diversité des oiseaux rencontrés ici tient à la variété des milieux. De la couleur, du bruit des oiseaux, des observatoires, nous avons eu un véritable coup de cœur pour cette réserve paradis des flamants roses. Demain, toujours à vélo, nous partons pour une autre destination. Les chevaux de Camargue sont aussi un pilier de la culture camarguaise. Ils sont indispensables pour pouvoir approcher les taureaux et les amener tranquillement d'un pré à un autre ou au sein d'une arène. Leur anatomie est spécifiquement adaptée à l'environnement humide et marécageux de la Camargue, notamment leurs larges sabots. Bloqué par les sables.
première journée à la mer de l'année. Pour moi aussi. En Camargue, le taureau est aussi également le maître, l'un des symboles de la région provençale. Il est connu pour ses caractéristiques physiques, sa robe noire, ses cordes recourbées et sa grande taille. Les taureaux de Camargue peuvent peser jusqu'à 450 kg. C'est un animal courageux et téméraire. Ici, les taureaux ne sont pas élevés pour la corrida, ils servent à la course camarguaise, où les raseteurs ont pour mission d'attraper les ornements placés sur la tête du taureau.